VIe siècle de notre ère, Alboin, roi de Pannonie, à la tête de ses hordes barbares, envahit les riches vallées du nord de l'Italie. Venues de toutes les régions d'Europe et d'Asie, elles constituaient un ensemble disparate que seul unissait le goût du pillage, du sang et du meurtre. Rapides et imprévisibles, les barbares semblaient surgir du sol, dévastant tout sur leur passage, foulant sous les sabots de leurs chevaux les derniers vestiges de la splendeur romaine. Fondant comme des oiseaux de proie sur la population des villages, ils semaient l'épouvante et la mort. Ouvre-moi! Les barbares ont envahi le village. Fuyons vite, ils vont nous tuer. La place est ici, Sabine. Bon, l'épée, vite. J'apporte qu'elle passe en toi. Va, Sabine. Viens avec moi, prends je t'en supplie. Prends mon cheval et va dans la montagne rejoindre ton cousin Emilio. Non, je ne te laisserai pas. Écoute-moi, non. Oncle, viens l'honneur avec moi, je t'en conjure. Va. Défonce la porte. Voici ton épée. Sauve-toi, Antonio, je te l'ordonne. Va, te dis-je. La voix de Sabina. Allez vite. Le chef du village, votre chef à tous.
Il est mort comme il a vécu, en homme noble et généreux. Il est mort pour avoir refusé de vous abandonner. Moi, j'ai fait le serment de le venger. À votre tour, jurez de venger nos morts. Mais que pouvons-nous faire contre une armée entière? Combattre et vaincre. Tant que je vivrai, je combattrai, seul s'il le faut. Où est ta fille, Giovanni? Ils l'ont tuée. Et toi, où est ton mari? Chacun de vous a un être cher à venger. Si vous êtes sourd aux cris de votre conscience, si la révolte ne gronde pas dans vos cœurs, alors puisse Dieu vous pardonner votre lâcheté. Tu as raison, Emilio. Approche-toi de moi, toi. Santé et à ta bonté. Merci, Albon. Delfo, tu es vraiment un père que les dieux ont comblé.
Tu crois? J'aurais préféré qu'il me donne un enfant mâle dont j'aurais fait un guerrier. Oh, comment peux-tu dire ça? Ta fille est un joyau inestimable, tu devrais en être fier. Yolanda, quand tu es là, je sens des flammes dans ma chair. Eh bien, éteins-les avec une autre coupe de vin, Igor. Si seulement tu voulais. Mais tu sais parfaitement que je ne veux pas. Igor! Mario! Zabal! Arrodici! Venez avec moi! Tiens, prends-en un morceau, c'est bon. Demain, nous marchons sur Milan. Aussitôt Milan conquise, nous attaquons Pavie. Et Pavie sera la capitale de mon royaume. Que tout le monde soit prêt à partir. Toi, Igor. Tu resteras ici à Vérone. Et tu gouverneras la province conquise du nord aux marches du sud. Mais les régions de l'est seront placées sous le commandement du duc d'Alfo. Mais il est vieux et c'est un slave. Nous avons besoin de lui et de ses guerriers, ne l'oublie pas. Tu es le maître, le bois. Ce n'est pas tout. En ce qui concerne les frontières, il faut qu'elles soient surveillées et fortifiées. Souviens-toi que la vallée de la Piave est la seule voie de communication avec notre pays. Et actuellement, les garnisons ne sont pas assez fortes. Dépêchez-vous, il est temps de partir. Colonne de droite par la vallée. Toi, je te charge de la surveillance de la route. Oui, chef. La colonne de gauche passera par la forêt. En avant! Thank you.
emporte. Et cette charogne, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu livrer son froment. Tu apprendras à désobéir à mes ordres. Ah, ah, oh, pitié, Seigneur, pitié. Ah, oh non, je ne le ferai plus. Ah, je montrerai à cette racaille qui est le maître ici. Hors d'ici, tous. Landa. Landa. Qu'est-ce que tu veux? Voilà 10 jours que j'essaie de te parler. Pourquoi m'évites-tu? Je ne supporterai pas longtemps que tu me traites ainsi. Tu me menaces maintenant? Ton père dépend de moi, Landa. Alboin, avant de partir pour Milan, m'a enjoint de lui donner une province à gouverner. Mais c'est à moi qu'il revient de la désigner. Et puis? Ce serait bien dommage si cette province se trouvait dans une région inhabitable. À son âge, l'exil et le mauvais climat pourraient bien vite le mener à la tombe. Tu parles de mon père comme s'il vacillait sous le poids des ans. Mais il est encore vigoureux comme un chêne, car dans ses veines coule le noble sang slave. N'empêche qu'il serait mieux ici, à Vérone. Et cela ne dépendrait que de toi. C'est tout? Tu n'as rien d'autre à me dire? Non, pour l'instant. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Oui, mais sans le vouloir. Je sais pourquoi tu veux t'unir à l'ordre. Tu sais trop de choses. Ça pourrait bien te porter malheur. Pas à moi qui te suis fidèle. Si tu parvenais à l'épouser, à la mort de Delfaux, tu deviendrais de droit le suzerain de cette terre. Et comme le vieux pourrait mourir plus tôt qu'on ne pense... Le commandant du camp de la Piave est là. Il demande à te parler. Qu'il vienne. Tu peux entrer. Qu'as-tu à me dire? Parle. La plus grande partie de mes hommes a été tuée par un être surnaturel. Un monstre d'horrible aspect qui sème partout la panique et la mort. Qu'est-ce que tu racontes? Un monstre? Oui, ça ne peut pas être autre chose qu'un monstre. Il a la force de 100 hommes. Et tu as abandonné ton poste pour venir me raconter ça? Mais les survivants sont complètement terrorisés. Parce que ce ne sont que des lâches! Retourne là-bas! Et dis à ces femmelettes que je vais y aller moi-même et que leur monstre, je le ramènerai par les oreilles. Tu as vraiment l'intention d'aller dans la vallée de la Piave? Non, Svevo. Pas moi. Nous y enverrons Delfaux. Comme ça, on verra de quoi il est capable. La nouvelle garnison est importante. On dirait qu'ils ont amené leur famille. Et les remparts ont été renforcés. Ils ne pourront pas toujours rester à l'abri de leurs remparts. Non, ils ne pourront pas. Sancerico, fais activer les travaux du côté de la forêt. Oui, maître. J'ai vu que tu avais fait bonne chasse. Il faudra qu'un de ces jours, on aille chasser ensemble. Tu es libre d'aller où tu veux, quand tu veux, Slevo, mais pas avec moi. Land. D'ailleurs, les travaux des fortifications sont presque achevés. Tu vas pouvoir bientôt retourner à Vérone. J'ai l'impression que Landa est bien pressé de me voir partir. Mais je ne pourrai pas lui faire ce plaisir avant longtemps. Soyez les bienvenus. Mes amis, mangeons, on parlera après. Alors, Giovanni, où en es-tu? On a bien travaillé, Emilio. Tous les chevaux sont ferrés. Très bien, on en aura besoin bientôt. Il va falloir se préoccuper du ravitaillement. Nous sommes plus nombreux de jour en jour. Et vous avez bon appétit. Il y a combien de sentinelles autour de leur forteresse? Ben, je ne sais pas pourquoi. Si on pouvait savoir ce qui se passe chez eux, tout serait plus facile. On pourrait peut-être mettre à profit cette espèce de marché qui se tient dans le fort toutes les semaines. J'irai moi-même. Pas question. On t'en connaîtrait immédiatement. C'est moi qui vais y aller. Non, Marco. Ni toi, ni aucun de vous. Je n'ai pas le droit de risquer la vie de mes compagnons. S'il y a un danger, je vais l'affronter seul. Autrement, j'ai mieux y renoncer. Thank you.
Le marché est terminé. Vous n'avez plus rien à faire ici. C'est fini pour aujourd'hui. Ramassez vos marchandises et allez-vous-en. Allez, tout le monde. Décampez, il est tard. Il faut déjà partir? Je n'ai encore rien vendu. Tant pis pour toi, va-t'en. Hé, hey, Dario! Fais-leur savoir que le marché est terminé. Vous avez entendu? Je ne veux plus voir personne. Jericho, Delphaux veut te parler. J'y vais. Mais qui est celui-là qui nous oblige à partir? C'est jeune Jericho, le bras droit de Delphaux. Et qui est-ce Delphaux? Celui qui nous commande. Mais il faut vraiment que je m'en aille? Oui, mais tu peux passer par là, c'est plus court. Si jeune Jericho ne sait pas apprécier la belle marchandise... Moi, tu sais, c'est pas pareil. Laisse-moi, il faut que je parte. Ah, écoute-moi, attends-moi près du portail. Bientôt, nous allons sortir. Sortir? Où est-ce que vous allez? Si tu es gentil, je te le dirai. Je ne veux pas entendre parler de disette. Malheureusement, on n'y peut rien. Si la population souffre de la faim, tant pis pour elle. Je dois d'abord donner à manger à mes soldats. Bien sûr. Seulement les paysans cachent leur vivre. Eh bien, débrouille-toi pour qu'ils livrent toute leur récolte. Je t'en donne l'ordre. Tu seras obéi, Delphaux. J'espère. Empare-toi de tout ce que tu trouveras. Prends autant d'hommes que tu veux, mais ne reviens pas les mains vides. Et vous ne trouverez plus rien par ici. Les paysans ont déjà livré tout ce qu'ils avaient. Mais toi, tu ne m'as encore rien livré. Non! Laisse-moi! Tais-toi! Lâche-moi! Lâche-moi! Non, je te lâcherai pas! Non, non! Non! Canaille! Ignoble porte-là! Tu m'as sauvé plus que la vie. Tu m'ennuies. Va-t'en, toi aussi. J'étais venue au marché vendre des tissus. Oui, vendre. Et puis quoi encore? Voilà une chose qu'il faut oublier. Il est ridicule de payer ce que nous pouvons nous procurer par la force. Ramasse tout cela et disparaît. Tu es trop belle pour rester ici au milieu de tous ces hommes. Toi aussi, tu es belle. Et pourtant, tu n'as pas peur d'eux? Je suis la fille du duc Delphaux. Et ce sont eux qui ont peur de moi. Allons! Dépêche-toi! Vite! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous emmenez la farine? Allez, bâton! Vous allez nous ruiner! Oh, je vous en supplie, cette farine n'est vite pas à nous! Vite, la grande ici, toi! Oh. Vite, vite! Bruno! Bruno! Dépêchez-vous! Maman! Maman! Ah, mon fils, nous sommes ruinés! Ne pleure pas, rien n'est perdu, maman! Écoute, je te dis que rien n'est perdu. Attends-moi. Où vas-tu, Bruno? Maman, tais-toi. Attends-moi. Oh, mon Dieu. Pose ton sac ici. Et dépêche-toi, Limas. Remuez-vous si vous ne voulez pas goûter de mon fouet. On peut partir. Le chargement est au complet. Dépêchez-vous! Allez, allez, allez! Fichez le camp! Allez, allez, allez! Vite, arrêtez les chevaux! Détachez-le! Emilio! Non. Viens, retrouvez-moi à l'endroit habituel. Emilio, nous te suivons. Allez. Comment pouvait-il savoir qu'on viendrait? Quelqu'un a sûrement dû les avertir. Où étais-tu? Au village avec mes hommes. Mais je peux t'assurer que ceux qui étaient au moulin ont combattu avec valeur. Ils n'ont été bons qu'à se faire tuer. Je te répète qu'ils se sont battus comme des lions. Mais ils avaient affaire à un monstre. Assez avec cette stupide histoire. Le monstre de la Piave. Ça ne me déplairait pas de le rencontrer dans ma arme. Prie les dieux de ne pas t'exaucer, Svevo. Alors toi aussi, tu crois à cette légende? Jean Jericho.
va annoncer que deux poignées d'or seront données en récompense à qui le ramènera vivant ou mort. Ce n'est pas avec deux poignées d'or que tu obtiendras sa capture. Ordonne des représailles contre la population. Incendie les villages, tue les paysans, fais régner la terreur. Lorsque j'aurai fait tuer les paysans, qui cultivera la terre? Et lorsqu'il n'y aura plus de récolte, qu'est-ce que je donnerai à manger à mes soldats? Ce sont là les ordres d'Igor. Quels ordres? Ici, c'est moi qui commande. Bien. Mais je te rappellerai qu'Igor a l'oreille du roi Alboin. Et toi, tu es l'oreille d'Igor. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Père, tu permets que je m'en aille? Où veux-tu aller? À la chasse. Moi aussi, j'aimerais aller à la chasse, mais pas au même gibier. Donne-moi une patrouille armée et je te la ramènerai, moi, cet épouvantail à moineaux. Emilio! On travaille. Avec ça, tout le monde pourra manger à sa faim. Tandis que moi, je suis bredouille. Quoi? Tu n'as rien trouvé dans ton piège? Ah non. Et pourtant, j'avais préparé un bel appât. À propos, Sabina aura peut-être plus de chance que moi. Sabina! Eh oh! Tu as pris quelque chose? Non! Absolument rien! Oh, comme tu es mignon. Tu t'es pas fait mal? Vite, pendant que tu as encore le temps, sauve-toi. Vite, et fais pas de bruit. Occupe-toi de ça, ramène-le au campement. Je vais aller visiter les autres pièges. Bon. Qu'est-ce que tu as fait de Marco? Je l'ai envoyé au campement. Je vais le rejoindre. Non, attends. Il n'y avait rien? Pourtant, le pieu n'a pas pu sauter seul, n'est-ce pas? Ben, je sais pas. Peut-être que le gibier s'est échappé. Je vais le remonter. Laisse, je vais le faire moi-même. Bon, alors, je vais retrouver Marco. Attends un peu. Donne-moi un coup de main. Oui, mais alors faisons vite. Je vois des nuages qui s'amoncellent et je voudrais pas être prise par l'orage. Ah, c'est pas l'orage qui t'inquiète. Dis que tu es pressé de rejoindre Marco. Encore un peu de patience, là. Du chef des barbares. Non! Elle m'a sauvé d'un horrible danger. Occupe-toi d'elle. Je vais délivrer le cheval. Que m'est-il arrivé? Ne t'inquiète pas, tu ne cours aucun danger. Ma cousine m'a dit ce que tu as fait pour elle quand elle a été au fort le jour du marché. Mais toi, qui es-tu? Un bûcheron. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Je peux remonter à cheval. Il faudra que tu retournes à pied. Ton cheval s'est brisé une jambe et je l'ai achevé. Sabina, indique-lui le chemin. Oh, je t'en prie. Tu connais la forêt mieux que moi. Accompagne-la, toi. Ah, j'ai compris. Ah. Dépêche-toi, viens. Pourtant, tu n'as pas l'air d'un bûcheron. Ne te fie pas aux apparences. Mon pauvre Aquilon, c'était un magnifique animal. Il m'a fallu 2 ans pour le dresser.
La vie d'un bon cheval est précieuse. Pas celle d'un homme. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? De quoi parles-tu? Autrefois, cette vallée était peuplée de gens paisibles. Mais les tiens sont venus et depuis, c'est la vallée de la mort. C'est la loi de la guerre, on n'y peut rien. Quelle loi? Elle vous commande de tuer les enfants et de violer les femmes? Tu n'es pas un bûcheron. Qui es-tu? La pluie a cessé. Bah, sauf toi. Comment? Tu ne m'accompagnes pas? Ce n'est pas la peine. Suis ce sentier entre les arbres, tu ne peux pas t'égarer. Attends! Si je revenais chasser dans cette forêt, je te trouverais ici? Tu ne me trouveras pas. Et puis un conseil, ne reviens jamais de ce côté. Cette fois, tu n'as perdu qu'un cheval, la prochaine fois, c'est la vie que tu pourrais perdre. Sûrement lui. Il faut le capturer. Va. Ne bouge pas. Qui es-tu? Un bûcheron. Un bûcheron. C'est ce que nous verrons. Emmenez-le au fort. Avoue que c'est toi qui attaquais nos soldats. Avoue-le. Avoue que c'est toi. Ah, tu refuses de parler. Avoue. On le forcera. Encore à nous. Je te promets qu'il parlera. Encore un. Il est possible, après tout, que ce ne soit pas lui. C'est possible. Et dans le doute, il vaut mieux le tuer. Oh. Putain d'incapable! Ne le laissez pas se sauver! Alors, tu es convaincu à présent? Tuez-le! Arrêtez! J'ai dit, arrêtez! Arrière, toi! Le soupçonnons d'être le rebelle qui attaque nos guerriers. Pour toi, c'est un soupçon. Pour moi, c'est une certitude. Comme tu vois, je fais bonne chasse, moi aussi. Il m'appartient. Vous a-t-il attaqué? Était-il armé? Non, mais sa stature, sa force, sa conduite le trahissent. Je connais cet homme, père. C'est un paisible bûcheron. Il y a quelques jours, alors que je m'étais égaré dans la forêt, il m'a aidé à retrouver mon chemin. Peu m'importe. Il est mon prisonnier. Il a raison. Le prisonnier lui appartient. Svevo, tu ne peux violer la loi de nos ancêtres. Quelle loi? Celle qui veut qu'on donne aux prisonniers le moyen de prouver sa bonne foi. Père! Je demande des preuves de la vérité. Delpho, applique la loi. C'est justice. Je lui accorde l'épreuve de la vérité. Tu vas subir l'épreuve de la corde et des lances. Si tu parviens à la surmonter, tu en subiras une autre choisie par celui qui t'a capturé. Allons, faites place. Faites place. Arrière, tous. Apportez la planche.
préparez-vous. Faites vite. Dépêchez-vous. Porteur de lance, avancez! Allez! Choisis la seconde épreuve comme tu en as le droit. Les chevaux! Les chevaux. Faites venir deux chevaux. Dépêchez-vous. Maintenant, attachez-le. Attachez-le bien. Dépêchez-vous.
Amenez-le-moi. Je ne sais pas qui tu es, mais je te félicite. Je n'avais jamais assisté à une aussi belle démonstration de force. Va, tu es libre. Je m'y oppose. C'est lui, le soi-disant monstre. Jamais jusqu'à présent, aucun homme n'a pu surmonter ces épreuves. C'est un ennemi, il faut le tuer. En agissant ainsi, Svevo, je violerai une de nos lois les plus sacrées. J'ai dit qu'il était libre, qu'il le soit. Vous me cassez les oreilles avec votre musique! L'air de mauvaise humeur, Alboin. J'en ai par-dessus la tête de rester ici à contempler la lune et les remparts de cette maudite ville de Pavie. Il a fallu quelques jours pour conquérir Milan et Vérone, et voilà que maintenant on piétine. Ah, j'ai bien peur que Pavie ne résiste encore longtemps. Demain, à l'aube, nous la prendrons d'assaut, que tous les hommes soient prêts. Va ! Je mènerai moi-même l'attaque. Je serai à tes côtés, Alboin. Non, Igor. Tu iras à Milan pour recevoir la soumission de mes vassaux. Après quoi, tu franchiras la frontière afin de remplir une mission de la plus haute importance. Je suis à tes ordres. Alors, pourquoi ne jouez-vous pas? Écoute-moi attentivement. Tu as manqué la cible. Ça n'était que pour t'avertir. Tu es un rebelle. Je le sais depuis que je t'ai vu. Ce sont les armes de nos soldats. C'est toi qui les as assassinés. Alors, qu'attends-tu pour me tuer? Puisque je suis ton ennemi, lance ta flèche. Quand les bourreaux te torturaient, j'aurais pu te laisser mourir. Et peut-être cela aurait-il mieux valu. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Voilà enfin, Igor. Svevo, que fais-tu ici, à Milan? Je te cherchais à Vérone, mais tu t'es parti. Alboin m'a appelé à Pavie. Le siège se prolonge. Il est en fureur. Et toi, pourquoi as-tu quitté la Piave? Pour une raison extrêmement grave. Allez, parle. J'avais capturé le chef des rebelles, mais Delfo lui a accordé les preuves de la vérité. Il lui a rendu la liberté. C'est le moment d'agir contre Delfo. Je vais aller régler la situation personnellement. Bien. Nous partons tout de suite? Non, Svevo. J'irai tout seul. Toi, je vais te confier une tâche extrêmement importante. Alboin m'a ordonné de prendre ses meilleurs cavaliers et d'aller en Pannonie pour ramener la couronne du sacre. Et c'est toi qui me remplaceras dans cette mission. C'est un grand honneur pour moi. Pendant ce temps, je me rendrai au fort de la Piave et je m'occuperai de Delfo. Ah, très bien. Landa pleurera bientôt sur la tombe de son père. Oui, Svevo. Mais avant d'agir, j'aimerais mieux attendre ton retour. Veille soigneusement à ce que la couronne d'Alboin parvienne à destination. Il y va de ma vie. Tu peux compter sur moi. J'ai quelque chose à te dire, Emilio. Autrefois, il n'y avait pas de secret entre nous. Mais malheureusement, depuis quelque temps, on ne peut plus te parler. C'est ridicule, tu peux me parler quand tu veux. Ce n'est pas vrai. Tu as beaucoup changé. Comment ça? Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Tu te trompes, je l'ignore. Je te reproche d'avoir laissé passer la colonne de Svevo. C'était pas le moment de l'attaquer. Non, Emilio. Ce n'est pas la vraie raison. Continue. Bien sûr que je vais continuer. Tu sais que j'étais le premier à croire en toi. Et je ne voudrais pas avoir à m'en repentir. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que disent tous nos compagnons. Que tu nous as trahis pour une femme. Oh! Marco.
Pardonne-moi, Marco. Je n'aurais pas dû. Ce n'est rien, Emilio. Je te pardonne. Emilio! Enfin, tu es là. Oh, mon Emilio. J'avais tellement peur que tu ne viennes pas. Loin de cette terre impitoyable, Emilio. Loin de tout et de tous. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé, je le sais. Je crains que ce ne soit vrai. Je devrais même te haïr, Lambda. Alors que dirais-je, moi? Moi qui ai renié les miens et qui ai trahi mon propre père. Pour toi. Par amour pour toi. Chacun de nos soldats qui tombe assassiné par tes hommes... C'est comme si je l'avais tué de mes mains. Est-ce que tu m'entends? Je n'en épargnerai pas un. J'anéantirai l'oppresseur. Et moi? Alors moi aussi, Emilio, tu devrais me tuer? Je ne l'ai pas encore fait parce que je suis un lâche, mais j'aurais dû le faire depuis longtemps et je le ferai. Comment peux-tu? Dis pas ça, non. Va-t'en! Ce n'est pas vrai! Va-t'en avant qu'il soit trop tard! Va-t'en, je te dis! Et ne reviens jamais plus! Je sais maintenant ce que tu chasses comme gibier. On t'a vu dans les bras de notre pire ennemi et tu quémandais ses caresses comme une courtisane de la plus vile espèce. Ce n'est pas vrai. Toi, ma fille, tu m'as couvert de honte. Non. Je ne suis pas une courtisane. Je ne suis qu'une femme qui aime. Et dire que c'est moi qui l'ai libérée. Moi. Si Igor apprenait ta trahison, je serais à sa merci. Lui qui n'attend que ce moment. C'est lui, le rebelle, qui tue nos hommes. C'est lui. Vas-tu parler? Vas-tu répondre? Maudit soit le jour qui t'a vu naître. Ah, tu ne reverras jamais plus cet homme. Tu m'entends? Jamais plus. J'ai peur de ne plus le revoir, père. Et s'il me le demande, je suis prête à le suivre n'importe où. Parce que je lui appartiens. Je te tuerai plutôt, de mes propres mains. Fenseco! Qu'elle ne sorte pas de là.
suis flatté du faste que tu déploies en mon honneur, Delphine. Pourtant, je savais déjà que ton hospitalité ne connaissait pas de limite. Où veux-tu en venir, Igor ? M'a dit que tu avais laissé partir librement un dangereux rebelle. Ce n'était pas un rebelle. L'épreuve de la vérité a démontré son innocence. Tu ne devais pas la lui accorder ! Igor ! Tu oublies que dans cette province, c'est moi qui commande. De la musique ! De la joie ! Ne parlons plus de ça. Je vais m'en occuper, moi, de ce rebelle. Dis-moi plutôt, comment se fait-il que la belle Landa ne soit pas parmi nous ? Elle ne se sent pas bien, je te l'ai déjà dit. Ah, tiens. Eh bien, à ta place, j'irai la chercher quand même. Parce que je pourrais prendre son absence comme un affront. Mais qu'est-ce que c'est ? Encore une menace ? Non. Je suis seulement un autre qui réclame les égards auxquels il a droit. À moins que tu ne préfères que j'aille la chercher moi-même. Landa. Igor te demande, il faut que tu viennes. Je t'ai déjà dit non. Il exige que tu viennes danser pour lui. Je refuse. Mais tu es folle. En provoquant la colère d'Igor, tu nous mets tous en danger. Qu'est-ce que tu veux dire ? Igor est venu ici, alerté par ce héros. Il est convaincu que ce bûcheron est le chef des rebelles qu'on cherche à capturer. Et s'il apprenait que tu aimes ce misérable, il n'hésiterait pas à nous tuer. Alors ? Non. Tu ne comprends pas ce que ton refus représente ? Tu veux la mort de ton père ? Réponds-moi, tu veux qu'on me tue comme un chien ? Thank you.
Landa. Landa, pourquoi me fuis-tu? Je n'ai fait tout ce long chemin que pour te revoir. Et pour me revoir, tu es venu avec toute une armée. Ça suffit. La vie de ton père est entre mes mains. Lâche-moi! Tu seras à moi quand je voudrai. Lâche-moi! Tout de suite, si je veux. Tu me lâches! Landa, qu'as-tu fait? Delfo, ça aussi tu me le paieras. Je te le jure. Sois tranquille. Reste là. Tu vois, Marco? Bruno, tu vas retourner au camp. Ta place est auprès de ta mère. Mais moi, je veux combattre. Attends. C'est pas la place d'un gamin, ici. Thank you.
Emilio, viens vite. Regarde. Je suis sûr de ne pas me tromper. Je l'ai vu de tout près. Le chef des rebelles, c'était lui, le soi-disant bûcheron. Mais tu t'es enfui, lâche que tu es. Et toi, l'idiot qui l'a laissé partir, tu as enfreint toutes nos lois de la guerre. Tu comparaîtras devant le roi Albouin, et tu devras répondre de ta trahison. Je ne donnerai pas une poignée de blé de ta tête. Et la tienne, Igor, es-tu tellement sûr de la sauver? C'est beau. Prends tous mes hommes, va dans les villages et détruisez tout. Tuez, dévastez, incendiez, faites le plus de prisonniers que vous pourrez. Je veux que la population sache que c'est moi désormais qui commande et que je ne leur laisserai aucun répit tant qu'ils ne m'auront pas restitué la couronne du sacre. Bien, Igor. Emilio, je crois avoir deviné ce que tu t'apprêtes à faire. Je suis avec toi. Non. Je dois le faire seul. Pourquoi? Je peux moi aussi affronter le danger. N'insiste pas. Laisse-moi seul. Écoute-moi, Emilio. Je n'ai plus personne au monde. Ma vie ne vaut pas cher. S'il devait arriver quelque chose, je veux être auprès de toi. Nous avons semé la terreur. Nous avons tué tous ceux qui cherchaient à opposer la moindre résistance. Nos prisons sont remplies de rebelles. Seul un petit nombre de ces misérables a réussi à fuir dans la montagne. Igor! Le chef des rebelles demande à entrer. Combien d'hommes a-t-il avec lui? Il est tout seul. Vous autres, amenez-le-moi. C'est bien lui. Cette fois-ci, personne ne te sauvera. Place! Je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances pour te punir de ta stupide audace. Je ne crois pas, Igor. Car si je meurs, tu ne reverras jamais la couronne d'Albouin. Si tu cherches à me tromper, prends garde. Tu
Pérachève. Où est la couronne du sacre? Elle est bien cachée. Je te la rendrai, mais à une condition. Tu oses proposer un marché? Oui. Et tu vas l'accepter, Igor. Allez-vous-en, tous! Allez-vous-en! Vous aussi! Qu'est-ce que tu veux en contrepartie? La vie sauve. Je demande qu'on libère immédiatement tous les otages. Que cessent les massacres et les représailles pour que mon peuple vive en paix. C'est un prix trop élevé. La couronne d'Alboin n'a pas de prix pour toi. Va, rapporte-la, et je te promets qu'on respectera tes conditions. N'est-ce pas, Igor? Elles seront respectées. Commencez par libérer tous les otages. Très bien. Genserico, va à la prison et fais sortir les otages. Sortez tous! Vous êtes libres! Maintenant qu'ils sont libres, tiens ta promesse. Qu'est-ce que tu fais? Ma promesse. Emparez-vous de lui, qu'on le tue. Je te l'interdis, car j'ai donné ma parole. Thank you.
père. Emilio, protège-la de tout ton amour.